Hey, bonjour à tous et bienvenue pour du Feed the Turtle saison 5. Hey, bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue pour du Feed the Turtle saison 5. Donc, je vous avais prévenu que dans la saison 4 ou dans un épisode chinchin qui aurait pu ne plus avoir, vous m'avez compris, qu'il n'y en aurait plus de FTT saison 4. Du fait que on était quasiment fini en Gragtech, on se faisait plus chier qu'autre chose. Donc on s'est plutôt contenté de faire un nouveau modpack encore plus dur. Et oui, c'est encore plus dur. Mais disons que dans l'autre on avait fait tout, quasiment tout, on se faisait chier. On est passé sur un autre modpack qui était Attack of the Big Team, qu'on a accueilli du monde, Aurélien, Edo, Kid, du bon monde quoi. Mais évidemment ce modpack je l'ai torché, hein, donc c'est fait, il y a les mods qui m'avaient plu, ils sont finis. Ah là il y avait Génétique, c'était Turtle qui s'en occupait, et il a fini aussi, donc voilà. Puis au bout de 2-3 semaines, on a commencé à faire notre nouveau modpack FTT avec tous ces mods. Vous voyez, il y en a tellement des mods. Hein. On a 100 et quelques mods. Hein. Donc des anciens qu'on a retrouvés sur FTT et le fameux mod Morph qui me permet justement de me transformer en chauve-souris du fait que je l'ai buté. Hein, voilà. Et qui me permet de voler comme une chauve-souris. Tout simple. Donc on s'est installé à plus de 1600 mètres du spawn sur cette plaine. Donc il y a pour l'instant Crit qui est justement sur le serveur en version AFK. Il y a les gens de attaque dessus. Pour l'instant c'est tout, nous sommes quand même une bonne dizaine. Donc pas besoin de me demander le modpack, c'est un modpack privé. Donc comme FTT saison 4, sauf que là il y a plus de mods, c'est pour ça. Pas de launcher, c'est tellement chiant à faire que voilà. Il y a des beaux arbres ici. Bleu, on a replanté des arbres, hein, parce qu'ici on avait rasé un petit peu tout. Donc voilà, toujours des bonnes chunks à foison, hein, c'est Minecraft, voilà. Par ailleurs, dans la saison 4, ici c'est Crap, hein, c'est chez Crap ici, tiens, on va faire un petit tour. Chacun de nous, parce qu'il y a crapule, chacun de nous aura fait des vidéos un petit peu de tout le serveur, ainsi de suite, donc ne vous inquiétez pas. Lui, il aime bien la cobble chiselée. C'est quand même beau en fait, hein. C'est surtout ça, c'est que c'est beau. Des pages Miscraft, parce qu'on a Miscraft évidemment, on l'a remis, hein, et puis on a les statues. Voilà. Donc voilà, c'est juste une petite présentation de ce modpack, hein, vraiment tout banal, banal vite fait. Ok, il s'est amusé complètement le mec, mais c'est pas grave. Ah, ça a encore grandi, wow, la vache. Ça a grandi de partout, et ici, la fameuse table d'enfant. C'est pas mal. Bon, alors, du coup, on est une bonne petite dizaine. Dans la saison 4, je vous avais dit que je ferais une ville sous-marine, hein, parce que j'avais envie de la faire. Mais par contre, ça aurait été plus dur. Sachant que maintenant, dans ce modpack-là, il y a Extra Utility qui a rajouté des nouveaux blocs, qui me permet justement que quand je pose des sponges, donc des éponges, voilà, de open block, ça prend toutes les sources d'eau aux alentours, ça les aspire. Donc ça m'a permis de faire justement cette descente là. Donc j'en ai un peu chier, hein, mais j'ai réussi, j'ai encore ça à terminer. Il y aura une intersection ici, petite salle des machines ici, temporaire, hein, parce que c'est des trucs de base. Parce que l'énergie ici maintenant pour la trouver, ça va être très chiant à la produire, vraiment très chiant. Un accès par là, il y a Batchaft en dessous. Vous pouvez le voir actuellement sur la map. Il y a 3 maps d'installer dessus, mais j'utilise la seule, c'est la Zombie map. Elle est quand même nettement mieux que les autres. Et puis on a les points, on a tout, voilà. Donc c'est une petite map. Très dur de trouver du diamant, hein, franchement, je suis resté très longtemps à la pierre, puis au rubis, au quartz et au rubis en fait.
C'est justement qui m'a permis de rester sur place. Ah, les underpearls sont terminés. Ah, je sais pas, j'étais pas là du week. Idem. Ouais, ce week-end, j'étais pas du tout là, j'étais sur Paname, donc Paris. Je me suis pris un week-end vraiment ultra sympa. Franchement, ça m'a fait du bien de pouvoir décompresser complètement de YouTube. Complètement de YouTube, puisque je vais sans doute changer de... Comment ? De network, parce que le mien, il me produit pas, en fait. En fait, je produis plus pour lui, moi j'ai rien en retour, ça m'énerve un peu. Crap, il est chez quelqu'un d'autre, il fait moins de vues, mais il a plus. Ok, en clair, il m'a pris... j'ai regardé, au niveau des CPM et autres, il me prend 60% en total. Plus que 60%, puisque j'ai rien à la fin. Alors, en clair, c'est ça. Et je sais pas pourquoi il y a de l'Atlas ici, parce qu'il neige pas. C'est océan, ouais, c'est ça. Bah oui, c'est un océan ici. D'accord. C'est... ouais. Je sais pas pourquoi. Bon, bah tant pis. Donc voilà, c'est juste pour ça. Puis il y aura des vidéos assez souvent, puisque je compte quand même faire beaucoup de vidéos. Hein. Une saison 5 s'annonce quand même correcte, cette saison-là. Je pense pas que je puisse faire tous les modes d'un coup. Hein, donc ça va durer longtemps, 50 épisodes sans doute, plus. On fera des vidéos ensemble avec d'autres gens du serveur. Ne vous inquiétez pas pour ça, et puis surtout c'est un réel plaisir de recommencer. Ça va où ça? Tomcraft. Ce n'est pas mon chunk loader. C'est à qui ici? What? T'as pas un peu de sable à me dépanner? J'ai plein de sable. J'ai plein de sable. Oui, parce que j'ai la machine qui permet de faire du sable en illimité et puis du... Bah, de la cobble en illimité que je pulvérise, ça fait du sable et que je peux faire cuire pour me permettre justement de faire mes fondations. Donc voilà, hein. Ça c'est un élévateur qui me permet de justement de monter et descendre. Mais je pense que c'est Turtle ici. Je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est Turtle. Misscraft, ouais, c'est ça, c'est Turtle, puisqu'il s'amuse avec Tomcraft. Il va faire tout le mode Tomcraft, lui. Oh! Triple, 15 triple, compressed cobble, ça fait 729 cobble. 23, 9, 81, 729, ok. Oui, parce qu'on a le mode pour permettre de les compacter à fond. Un survie et les... Ouais. Ça fait de l'énergie. Intéressant, voyez-vous. Très intéressant. Ah, et puis Tinker à gogo ici. Oui, bah oui, normal. Je remonte là-haut. Et ici, c'est... Ok. Twilight, ah ouais, il a... Ah oui, d'accord, il a fait... Ah ouais, ok. Ouais, bah oui. Oui, bah oui, normal. Tout à fait normal, je dirais. Tout à fait. Ouais, 3 diamants inoccupés. Ça, c'est un Sharpness 4. Ça me break 3, donc je la garde très bien. Ça, c'est ok. Ok, ah oui, bah oui, Yamon. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais, normal. Putain, mais il a torché le... What?
Ah oui, il a des... Ok. Ok. Hein? D'accord, déjà 4 iridium. Tom Craft à go-go. T'es où? J'arrive. D'accord. Bah, monsieur s'est déjà amusé avec soit une turtle. Oui, ça doit être une turtle. De toute façon, il y a que ça qui peut faire. Même une chunk loader, oui, bah oui, il a tout fait direct. Hein, Celle-là, ça donne poison, je crois. Ah. Placer un under chest. Oh, il a looté l'under chest. Ah. A looté l'under chest. Parce qu'il y a de la bedrock en dessous, donc du coup elle le loot. Tungsten. Ah ouais, carrément. Hein. Hein. Ça c'est du tin. Ouais, d'accord, ok. Ok, ok. Bon bah ok. Bon bah du coup je vais lui donner le sable et puis j'arrive en fait. Putain, mais c'est complètement avancé lui. Alors, Creed, viens là toi. Hop. Bah je sais pas où il est, donc je vais lui donner du sable direct. Alors, le sable se trouve là et se trouve là. J'ai 3 stacks de sable, ça devrait lui permettre d'avancer dans son truc en fait. Hein. Alors, Mr. Creed, il est ouf. Non mais. Puf, 3 stacks. Voilà. De rien. Donc du coup, bah ici c'est... Voilà, il faudrait que je remette un seau de l'eau et un seau de lave. Non mais... Sharpness 4, hein. Oui, Sharpness 4, oui. Bah, le O et le P sont à côté, donc... ça ne compte pas, donc je vais juste remettre de l'eau, je vais voir... Je vais aller dans le nether carrément, parce qu'il faut que je recharge mes batteries de... Comment ? Qui me permettent justement de faire le four tinker. On va y aller ensemble. Moi j'ai rien en chante pour l'instant. Lol. Du coup, c'est ici. Donc ça je dois prendre. J'ai ceci. Attends, est-ce qu'il me reste 1700? Bah c'est bon. Je vais directement faire la cobble. Je vais mettre un chunk loader là et un chunk au-dessus. Hein, ou sinon je vais le charger à fond, j'en sais rien. Je vais peut-être mettre que des petits chunks en fait. Hop, et ça me crée justement que de la cobble. Ça, y a un con qui me l'a mis sur obsidienne, et obsidienne c'est un d'eau et un de lave. Sauf pour faire de l'obsidienne en limité, il faut un magma crucible. Faut mettre de la netherrack dedans, il faut de l'énergie. Et puis on n'en trouve pas partout non plus. Pour l'instant, c'est pas ma priorité de faire de la lave en grande quantité. Et évidemment, je n'ai plus de briquet, puisque le briquet, il se trouve quelque part, donc je vais faire ça et ça. Ça me permet de faire un briquet. Voilà, c'est du style, hein, donc c'est GregTech qui rajoute le craft. Évidemment, GregTech est tout en compliqué, donc... Il y en a beaucoup qui ont ragé au début. Hop là. Alors attention qu'il n'y ait pas de mob. Ça va, il n'y a pas trop de mob. Hop, hop. Donc je vais faire ça. Ça. Et ça. Voilà, comme ça je vais pouvoir remplir. C'est l'avantage de la chauve-souris, c'est que on peut remplir tranquillement. Alors j'ai pas beaucoup de... Comment de... Comme j'étais parti un week-end, j'ai pas pu gagner comme un petit porc en fait. C'est pour ça. Donc du coup, bah je me rattrape vraiment léger. En fait.
Voilà, voilà. Non, c'était de le reposer, voilà. Et dommage qu'on ait toujours un 6, parce qu'on serait en 1-7. On aurait enlevé les sources de lave, il n'y aurait plus de lave. Mais bon, c'est pas le cas, mais tant pis. Hop. Allez. Donc voilà, c'est une petite présentation globale, rapide, claire, de FTT saison 5. Donc il y aura des constructions à l'œuvre. Je pense pas non plus faire comme mon ami Roi Louis, mais une bonne partie en tout cas. Seal Touch, ouais. Je l'ai pris, ouais. Et pourquoi j'ai pas les pings zombies? Ah oui, c'est Seal Touch, du coup ils ont rien fait. Ouais, mais par contre. Oh, fuck. Sur le radar, j'ai pas les pings zombies. Prendre de mob, neutral, player, helmet, mob display. Ah, peut-être que les zombies, en fait, ils me voient pas. D'accord, ah ok. Grâce à la Steel Touch, je peux miner du quartz sans que les putains de pig zombies là m'attaquent. En clair, si je suis... Ah, ils m'attaquent pas. Cobalt. Je vais le prendre le cobalt. Bon, ça c'est du coal, du coal, du coal. Coal, coal. Et en plus, il n'explose pas quand il est en seal touch. Ah. Ah. Oh, mais c'est magnifique. Par contre, le gars, tu dégages parce que j'ai pas envie de te voir. Oh, c'est du lapis. Furious. Oh. Attends, est-ce que c'était... j'ai combien là? J'ai... Auto Repair, ouais. Fortune 3, bah c'est bon en fait. Oh. Du silver. Du coal. En plus, le call là, je crois que ça en donne 6 ou 8 en fait. Par par call. Oh, intéressant. Du coup, je termine mon petit dépannage et puis on se retrouve. Dépannage, petite trouvaille de minerai, puis on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Et re tout le monde. Et bah voilà, j'ai fait ma petite petite session, vraiment vraiment petite session. Ah. 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 C'était pas du tout prévu. Ah. Bon bah fait rien, ça fait de l'obsidienne.
C'est pas grave, oui, c'était pas prévu que je retombe dans ce portail-là. Absolument pas du tout. Bon bah tant pis. Ça me dérange pas, ça fait toujours de l'obsidienne. Hein. Qui dit obsidienne, si j'ai deux diamants, un livre, bah je me fais ça avec de l'or, des underpearls, bah c'est bon. Oui, ce week-end, ils ont fait le land. Donc ils ont buté le dragon et puis on a land rien qu'à nous en fait. C'est surtout ça. Par contre, je ne sais toujours pas les portails, les coordonnées du portail, donc ça me dérange pas. Pour l'instant, ça me dérange pas. Hein. Voilà. Récupère l'obsidienne, c'est toujours ça de gagner. On est dans un dans une roche de basalte. Six touch, voilà. Donc c'est très bien. Oh. Période, fortune, période. Hein. Saphir. Ça c'est du tin. On a un peu rien à foutre. Hop, 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 hop. Je peux prendre celle-là. Bon, même celle se repère, hein, se repère, les cocottes, mais bon. C'est juste comme ça pour le fun, en fait. Si je sais pas, si il y a plus de redstone dans un pulvérisa. Ça aussi, je garde. Hop. Bah, du coup, bah, je vais faire là, hein. Waouh. Putain, c'est beau, ici. Putain, c'est bien, il y a de l'émeraude, il y a tout. Hop, de l'eau. Oh bah, je vais remonter, hein, du coup. C'est où chez moi? C'est à 105 mètres? Oh. En fait, j'ai atterri ici? Ouais, en même temps, c'est une logique, c'est juste de côté, quoi. Ok, bon bah. Ah oui, j'ai ramené un peu de tout, en fait. Alors, ça, je peux jeter. Bon, bah, c'est cool. Il y a la cobble qui se fait en bas. Je vais remettre le tank pour la lave là. Tac. Je vous donne un coup de wrench pour que ça descende. Ici, je remets les deux portails. Puis, c'est génial. Ça fait quoi déjà dans un. Ouais, bah, ça non, c'est pour industriel. Je m'en fous un peu. On peut le faire cuire, on peut le faire pulvériser. Vous avez de l'Netherrack, sauf que vous faites comme ça, vous refaites. Ouais. Enfin bref. Bon bah voilà. Voilà, c'était juste une petite vidéo de présentation de FTT saison 5. Donc n'oubliez pas que de liker, d'aimer, de partager, faites comme vous voulez. Laissez un commentaire, voir si vous avez des. Suggestions ou autres diverses questions de droite et gauche. J'ai un slim qui est en train de se balader et de crever, je vais le buter avant si possible. Voilà. C'est des slims très résistants, ça vient de là-haut, donc on a de la bouffe quasiment illimitée, donc c'est ça qui est cool. Et puis voilà. Ah là voilà, je suis content, j'ai du platine, moi j'ai du diamant, j'ai tout. Voilà. Bon bah sur ce messieurs, je vais vous laisser. Hein. Après c'est facultatif, hein, vraiment facultatif. Il y a un petit bouton de don, de donation pour ceux qui voudraient. Je pense faire, c'est même sûr, faire avec le mode statut, le vrai mode statut, faire une salle de tous les donateurs qui pourraient m'aider en fait. Je recherche justement un bon micro, autre que celui que j'ai le casse, un micro avec un pied qui me permettrait d'enregistrer correctement et de meilleure qualité parce que je recherche toujours au top. Malgré que le micro actuellement que j'ai est vraiment bien, mais je voudrais quand même un micro sur pied qui me permettrait justement de faire encore de plus belles, de plus beaux. Voilà. Sur ce, messieurs, je vous dis bonne soirée à tous et à la prochaine. Bye bye tout le monde.